Sa rentrée bien entamée, Michel Drucker sera de retour sur France 3 ce 3 septembre pour présenter un numéro inédit de Vivement Dimanche. Cette semaine, l'animateur recevra une nouvelle salve d'invités, dont fera partie Mathieu Lartaud. Le journaliste sportif qui s'est fait amputer de la jambe se présentera en béquille sur le plateau avec Patrick Bruel comme invité d'honneur. Le 27 août dernier, Michel Drucker prenait du service sur France 3. Après des mois d'hospitalisation et convalescence suite à une opération du cœur, la seconde dans 3 ans, l'animateur de 81 ans était de retour, à Mincy, aux commandes de Vivement Dimanche. Pour son comeback, il avait réuni sa Dream Team comme il l'appelle, composée de plusieurs habitués du programme. Ce 3 septembre, les téléspectateurs vont voir défiler une nouvelle salve d'invités à l'occasion du second numéro de la rentrée de Vivement Dimanche. L'invité d'honneur de Michel Drucker sera Patrick Bruel, à qui la première partie d'émission sera consacrée. En plus de parler de son actualité, marquée par son arrivée prochaine dans Unité 8200, une série d'actions diffusée sur TF1, le chanteur s'illustrera sur scène, dans un beau costume bleu, pour interpréter un de ses titres. Michel Drucker accueillera ensuite Gérard Holtz, qui défendra son tout nouvel ouvrage appelé Légende du rugby, 200 ans d'histoire. Il s'agit d'une encyclopédie autour de ce sport, remplie d'anecdotes, de scandales et de phrases cultes et qui tombe à pic puisque le mondial de rugby en France va bientôt commencer. En coulisses, Gérard Holtz était accompagné de son épouse Muriel Mayette. Se succéderont ensuite le chanteur Amir, le comédien Guillaume de Tonquédec, l'humoriste Régis Laspalès, l'actrice Lizzie Brocherie et Mathieu Lartaud. Ce dernier, qui a été amputé au niveau de sa jambe droite à la suite de son cancer du genou, sera sans doute fier de parler de la Coupe du Monde de rugby, qui démarre le 8 septembre prochain, et qu'il aura l'occasion de couvrir. Une grande victoire pour le journaliste sportif qui n'était au départ pas bien parti pour se remettre aussi vite. Il est aujourd'hui muni d'une prothèse qui remplace sa jambe droite, au prix très élevé, et se déplace en béquille comme on peut le constater à travers les images de notre diaporama. Emmanuel Chonu sera par ailleurs de nouveau aux côtés de Michel Drucker cette saison pour refaire la carrière de l'invité principal. Vivement Dimanche, dès 13h ce dimanche 3 septembre 2023 sur France 3.